بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. L'objectif primordial du jeûne, c'est لعلكم تتقون, d'acquérir la taqwa, la piété. Et la taqwa, la piété, c'est avant tout une affaire qui concerne l'âme. C'est pour cela que les objectifs du jeûne vont toucher directement le nafs, l'ego de la personne. Et c'est ce qui est recherché par Allah subhanahu wa ta'ala, d'affaiblir le nafs, en privant le nafs de nourriture, de boisson et de rapports intimes pendant la journée. Malheureusement, ceux qui n'ont pas vraiment compris la philosophie du jeûne, eh bien, cherchent à compenser les manques qu'Allah a imposés durant la nuit. Ils mangent plus pour compenser ce qu'ils ont pensé avoir perdu la journée, etc. Et donc, parfois, on voit même des gens qui, pendant le Ramadan, grossissent au lieu de perdre du poids. La philosophie du jeûne, c'est d'affaiblir le nafs, c'est de priver le corps de cette nourriture pour que l'âme puisse s'élever auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il n'y a aucun un des signes de, inshallah, de réussir son Ramadan, c'est de faire subir ce corps toutes ces difficultés et en même temps, simultanément, d'arriver également à purifier son intérieur, son âme. Et on est donc en train de parler des méfaits de l'orgueil, ce qu'on appelle le takabbur. Imam Razi, rahmatullah alayhi, qui est un très grand commentateur du Coran, il écrit dans son tafsir et kabir une narration dans laquelle Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam était une fois assis en présence de Jibra'il alayhi salam. Et à ce moment-là, de loin, Abu Zar radiallahu an, un compagnon bien connu, s'approche. Alors, Jibra'il alayhi salam, il dit à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, « Hatha Abu Zar, qad aqbala. » Voilà Abu Zar qui s'approche, qui arrive. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il est totalement étonné. Il dit « Awa ta'rifunahu ?» Vous le connaissez ? Alors pour se mettre en situation, pour comprendre un peu le contexte, imaginez quelqu'un, qu'on est quelqu'un de très important et qu'on se rend à Paris et là, on a un rendez-vous avec le maire de Paris. Pour ne pas faire de la politique, je ne vais pas dire la maire de Paris, je dis le maire de Paris. Donc, vous êtes assis en compagnie donc du maire de Paris. Et puis, il y a quelqu'un de loin qui s'approche, quelqu'un qui vient de Mafat. Imaginez dans quel trou, on va dire, il vient. Il est de Mafat, un Mafaté qui s'approche. Et puis, ce maire de Paris, il dit, ah, ça c'est monsieur un tel qui vient, qui arrive. Alors comment vous êtes étonné que vous, maire de Paris, lui, quelqu'un de Mafat, dans quel endroit, quelle distance, quel éloignement se trouve cette personne et vous le connaissez? Mais c'est la même chose. Le même étonnement qui s'est produit avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lorsque Jibra'il alayhi wa sallam lui dit que ah, ça c'est Abu Zar qui s'approche. Abu Zar était connu pour être un zahid, un dévot dans, à l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quelqu'un qui était
qui vivait avec beaucoup d'abstinence. Et donc quelqu'un qui était très très simple, ce n'était pas un grand notable, un grand riche de Makka, qui méritait donc une grande notoriété en raison de ses biens, ou etc. Et donc, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, vous le connaissez-vous ? Awa ta'rifunahu ? Jibril alayhi salam, il dit, huwa ashharu indana minhu indakum. Il dit quoi ? Abu Zar, il est plus célèbre auprès de nous qu'il ne l'est auprès de vous. Il est plus connu auprès de nous qu'il ne l'est auprès de vous. Alors, son salam, il est encore plus étonné. Il dit, bimaza nala hadhihi al-fadila. Il dit, mais d'où il tire ce privilège, Abu Zar, radiallahu anhu. Alors, Jibril salam, il donne la réponse. Et dans sa réponse, il y a deux éléments. Un élément qui concerne le cœur, un élément qui concerne le corps. Qalbi et qalibi. Deux réponses qui justifient la notoriété de Abu Zar radiallahu anhu auprès des anges, dans le royaume des anges. Et il continue, li sighrihi fi nafsihi wa li kathrati qira'atihi qul huwallahu ahad. Il dit, Abu Zar radiallahu anhu a gagné cette notoriété, cette célébrité dans le royaume des anges en raison, première raison, li sighrihi fi nafsihi, parce qu'il se considère petit en lui-même. Sarir, inférieur, petit en lui-même. Ça, c'est dans le cœur, la première raison. Il se considère avec humilité. Il n'a pas d'orgueil. Et deuxième raison, li kathrati qira'atihi qul huwallahu ahad. En raison de l'abondance de sa lecture de Qul huwallahu ahad. Il lisait en grande quantité, en abondance, la sourate Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Donc, si on regarde ces deux actions qui sont, on va dire, minimes à nos yeux, Qul huwallahu ahad, c'est tellement facile de le lire. Ce n'est pas quelque chose d'immense. Un grand accomplissement. En quelques secondes, une personne peut lire Qul huwallahu ahad. Tout le monde connaît Qul huwallahu ahad. Un enfant connaît Qul huwallahu ahad. Et cette qualité du cœur, li sighrihi fi nafsihi, c'est quelque chose qui est caché, qui est dans le cœur. Mais c'est ça qui fait de Abu Zar radiallahu anhu Abu Zar. Deux actions que tout un chacun peut mettre en pratique. Regardez ce qu'il a reçu comme honneur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Eh bien, si quelqu'un va adopter cette humilité dans son cœur, eh bien, comment Allah subhanahu wa ta'ala va élever cette personne? Dans un hadith, Rasulullah dit en ce sens, « Man tawadha'a lillah » un hadith qui est mentionné dans Mishkat Sharif, « Man tawadha'a lillah, rafa'ahu Allah » que celui qui va montrer de l'humilité pour Allah subhanahu wa ta'ala, rafa'ahu Allah, Allah va l'élever. Fa huwa saghirun fi a'yunin nas. Et cette personne sera petit aux yeux des gens. Wa kabirun fi nafsihi. Mais cette personne en elle, pardon, fahuwa fi a'yunin nas kabirun wa fi nafsihi saghirun. Cette personne sera donc aux yeux des gens élevés, et à ses propres yeux, cette personne se sentira inférieur et petit. Celui qui montre du tawazu, c'est-à-dire les gens vont l'élever, Allah va l'élever. Aux yeux des gens, cette personne sera élevée. Et aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala, cette personne sera élevée.
bien qu'en elle-même, cette personne sait qu'elle est petite. Et man takabbara wada'ahu Allah. Et celui qui montre de l'orgueil, Allah subhanahu wa ta'ala va le rabaisser. Fahuwa fi a'yunin nasi saghirun wa fi nafsihi kabirun. Et cette personne aux yeux des gens sera petit, alors qu'en elle-même, elle pense être grand. Hatta lahuwa ahwanu alayhim min khinzirin aw kalbin. À tel point que cette personne sera maintenant, aux yeux des gens, considérée comme quoi? Tellement cette personne va être rabaissée comme khinzir et kalb, un chien et un porc. Plus une personne montre de l'orgueil et de la fierté, plus on s'élève, plus la chute est dure. Ça, c'est un hadith qui est mentionné dans Mishkat Sharif, al-Kamakal alayhi salatu wassalam. C'est pour cela que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné un dua. Allahumma ja'alni fi ayni saghira wa fi a'yunin nasi kabira. Ô Allah, fais que je me considère à mes propres yeux comme petit et aux yeux des gens comme grand. Allahumma ja'alni fi ayni saghira wa fi a'yunin nasi kabira. Ça veut dire qu'il n'y a pas dans toutes ces... cette approche-là, il n'y a pas l'idée qu'on doit s'humilier, se rabaisser, en quelque sorte, on va tomber dans un avilissement. Non. On ne demande pas qu'on soit avili, humilié aux yeux des gens. C'est pour ça que le droit nous dit « Allahumma ja'alni fi ayni sarira » que moi, dans moi-même, en moi-même, je sais moi ce que je vaux. Je sais que je suis inférieur, je suis petit. Mais aux yeux des gens, fais-moi grand, fais-moi honoré, fais-moi élevé. Donc c'est avant tout une affaire du cœur, une affaire de notre intérieur. Rien ne nous empêche d'avoir de l'honneur, d'être honoré, d'être élevé. Rien ne nous empêche d'avoir cela. Mais c'est surtout ce qui est important, c'est quoi? C'est que dans le cœur, il ne doit pas y avoir une once, un atome d'orgueil, de fierté que vraiment je suis quelque chose, je suis quelqu'un. Imam, donc ça c'est l'histoire rapportée par Imam Razi rahmatullah alayhi, une fois Junaid Baghdadi rahmatullah alayhi, qui était connu pour être un grand, grand dévot, Junaid Baghdadi rahmatullah alayhi, un grand saint, un grand waliullah, il était assis dans la masjid, comme là on est assis dans la masjid. Et puis quelqu'un a fait le i'lan, il a fait l'annonce. Il a dit que la personne qui soit la plus vile, le plus pécheur, eh bien que cette personne quitte la masjid. Il y a une annonce qui a été faite comme ça. La personne la plus mauvaise quitte la masjid immédiatement. Alors imaginez, ça se produit ici, en réel. Qui va oser se mettre debout en premier? Chacun va commencer à se poser des questions, à se comparer, à faire son propre scan, on va dire, s'analyser. Est-ce que je suis quelqu'un de mauvais, pas mauvais, plus mauvais, moins mauvais? Mais lui, Junaid Baghdadi, rahmatullah alayh, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis immédiatement debout et il est sorti. Immédiatement. Sans hésitation. Il est sorti de la masjid. Ça veut dire qu'il a même... Il ne s'est même pas posé la question, est-ce que je suis vraiment le plus mauvais, le plus vil? Ça veut dire que lorsque cette annonce était faite, à ce moment-là, dans son cœur, il avait déjà cette pensée dans son cœur qu'il est la personne la plus petite dans cette masjid, la personne la plus inférieure dans cette masjid. Il avait déjà cette pensée, cet état dans son cœur. C'est pour ça que lorsque l'annonce a été faite, eh bien pour lui, c'est une évidence. C'est moi, je me sens inférieur, plus inférieur que tout le monde, mais c'est moi qui dois sortir. Ça, c'est l'état de son cœur, l'état de son intérieur. Alors, il y avait un autre dévot de cette époque qui s'appelait Cheikh Saqati, rahmatullah alayh, qui était également un très très grand dévot, waliullah. Cheikh Saqati, rahmatullah alayh, donc, quelqu'un est venu lui rapporter ce qui s'est passé dans la masjid ce jour-là. Alors, Cheikh Saqati, rahmatullah alayh, il dit,
Il dit, c'est cela qui a fait Djouned le Djouned. C'est cela qui a fait Djouned le Djouned Bardadi. Ça veut dire son humilité et sa perception de soi-même comme inférieur. C'est-à-dire, c'est, comme on avait dit, le summum de la purification intérieure, c'est le fana lillah, l'effacement de soi-même devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et il est rapporté également que Cheikh Abouddin Saharwardi, rahmatullah alayhi, qui était donc le premier cheikh de la silsila Saharwardi. Donc, il avait son premier khalifa qui s'appelait Cheikh Muslihuddin Saadi Shirazi, rahmatullah alayhi. Donc, il dit, Cheikh Shirazi, rahmatullah alayhi, il dit que mon Cheikh Abouddin m'a enseigné deux choses. La première chose, c'est quoi? C'est que moi-même, c'est-à-dire, la première chose, c'est que je ne dois jamais considérer quelqu'un avec dédain. Haqarat. Jamais considérer quelqu'un avec du dédain. Considérer quelqu'un comme un vaurien, ou quelqu'un comme inférieur, ou quelqu'un comme rabaissé par rapport à moi. Et deuxièmement, je ne dois jamais m'enjoliver moi-même. Je ne dois jamais me considérer moi-même avec beaucoup de qualité, de grandeur, etc. Ces deux choses qui m'ont été enseignées par mon cher. Allah dit dans le Coran, Fala tuzakku anfusakum. Ne vous purifiez pas vous-même avec des belles qualités, etc. On pense que moi je suis comme ceci, je suis comme cela. On aime bien se vanter soi-même. Faire son auto-estime. Se vanter soi-même. Ah, j'ai telle qualité, j'ai ceci, j'ai cela. Si on le fait, si on reconnaît nos qualités, eh bien on doit immédiatement remercier Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que Mufti Taqi, Damat Barakatuhum, il dit que son cheikh lui a enseigné une parole. Et il est important donc de comprendre à travers cette parole une chose. C'est que Allah subhanahu wa ta'ala a créé les gens de façon différente. Ça, c'est une réalité. C'est une réalité. On ne peut pas se mentir. Il y a des gens qui sont plus connaisseurs que d'autres. Il y a des gens qui sont plus intelligents que d'autres. Il y a des gens qui sont plus aisés que d'autres. Il y a des gens qui sont plus forts que d'autres. C'est une réalité. Si quelqu'un a de la richesse et que cette personne dit non, par humilité, je n'ai pas de richesse, mais c'est un mensonge. Si quelqu'un a de l'intelligence, une grande intelligence, une intelligence brillante, et que cette personne dit non, moi je suis quelqu'un de pas très intelligent, je suis bête, idiot, mais c'est un mensonge. Donc, il y a des réalités qu'on ne peut pas effacer. Et donc, la perception de soi-même, lorsqu'on a des qualités, ne nous oblige pas à ignorer ces qualités, à les rejeter, en raison de l'humilité. Non. Et donc, son cher lui disait qu'il y a deux choses. Il y a une chose qu'on appelle Akmal et une chose qu'on appelle Afdal. Une chose qu'on appelle Akmal et une chose qu'on appelle Afdal. C'est-à-dire que se sentir Akmal, ce n'est pas de l'orgueil. Mais se sentir Afdal, ça c'est de l'orgueil. Akmal, c'est quoi? Akmal, c'est les qualités qu'Allah m'a données, en plus que quelqu'un d'autre, et qui est une réalité. Donc, sentir le Akmal, que effectivement, je suis dans tel domaine meilleur que d'autres personnes. Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé les gens, le monde de cette façon. Il y a les forts et les faibles, il y a les riches et les pauvres. C'est pour cela qu'on donne la zakat. Si tout le monde était riche, eh bien, la zakat n'aurait pas été obligatoire. À qui on va donner la zakat? Si tout le monde est pauvre, à qui donnerait la zakat?
Donc Allah a créé les gens dans différents états, différentes situations, différentes, on va dire, catégories. Ça fait partie du système d'Allah. Donc il y a des gens qui ont des qualités, des aptitudes plus que d'autres. Et les reconnaître, ce n'est pas un mal en soi-même. Ce n'est pas une faute. Je reconnais que j'ai telle qualité. Mais dans cette situation, on ne doit pas tomber dans le afzal. Afzal, c'est se sentir meilleur que quelqu'un d'autre, supérieur à quelqu'un d'autre. J'ai des aptitudes, ça c'est akmal. Mais je suis supérieur à quelqu'un d'autre, je suis au-dessus de lui, ça c'est afzal. Ça c'est du takabur. Et donc maintenant, lorsque quelqu'un a ses aptitudes, ses kamal, on va dire, ses qualités, ses compétences naturelles qu'Allah lui a données, eh bien, quelle devrait être sa pensée, son comportement, son attitude? Au lieu de partir vers le afzal, vers la perception de la supériorité de soi-même, eh bien, on s'engage dans le shukr, dans le remerciement d'Allah. On remercie Allah. Qu'effectivement, j'ai cette qualité, j'ai cette aptitude, mais alhamdoulillah, par la grâce d'Allah, ça vient d'Allah. Ce n'est pas de moi. Je remercie Allah pour cela. Alhamdoulillah, je remercie Allah. Celui qui remercie Allah, eh bien, indirectement, cette personne, qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Elle est en train de lier cette aptitude à la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme on avait déjà expliqué. Et donc, en liant cela à Allah subhanahu wa ta'ala, cette personne va automatiquement penser que ce n'est pas moi, ce n'est pas mes compétences à moi, ce n'est pas mon ego, ce n'est pas mes qualités intrinsèques qui font de moi ce que je suis, mais c'est Allah qui m'a permis d'être ce que je suis. Et que Allah subhanahu wa ta'ala, à tout moment, il peut enlever cette qualité. C'est lui qui donne et c'est lui qui prend. Et donc lorsqu'il y a le risque de perdre cette qualité à tout moment, Allah il peut le faire en raison de mon ingratitude ou autre chose, désobéissance. Si à tout moment il y a le risque que je puisse perdre cela, eh bien je comprends que je suis totalement dépendant, je suis totalement faible devant la grandeur d'Allah, dépendant de la grandeur d'Allah, dépendant d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a aucune fierté là-dedans. Parce que si aujourd'hui je suis haut, eh bien Allah peut décider demain que je suis très bas. Et donc comment pourrais-je avoir de la fierté lorsque il n'y a rien d'acquis, il n'y a rien de définitif? En une fraction de seconde, je peux tout perdre. Mon intelligence, en une fraction de seconde, Allah envoie un AVC et c'est fini. Je deviens une légume allongée sur un lit. Ma richesse, en une fraction de seconde, Allah subhanahu wa ta'ala envoie une calamité, un incendie, une inondation, une tempête, et puis je perds tout. Je n'ai plus rien. Ma force, en une fraction de seconde, Allah subhanahu wa ta'ala envoie un petit microbe totalement invisible et il dévaste tout mon intérieur et je suis totalement affaibli. Je n'ai plus aucune force. Bon, quelle pourrait être donc la raison pour avoir de l'orgueil, de la fierté lorsque tout cela peut s'échapper de moi à tout moment, à tout instant? Et donc, nos mashayikh également nous enseignent un dua, un deuxième dua, que lorsque quelqu'un a fait quelque chose de bien et que cette personne ressente dans son cœur, on va dire, une certaine joie, un certain contentement, ce qui est tout à fait naturel. Lorsqu'on a fait quelque chose de bien, on a une satisfaction intérieure. Et bien, pour ne pas tomber dans l'orgueil de lier le doigt, c'est Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. On lit ce doigt. Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Allahumma inni a'udhu bika, ou Allah, je cherche protection auprès de toi, an ushrika bika, d'associer à toi, wa ana a'lamu, en connaissance de cause, wa astaghfiruka, et je te demande pardon, lima la a'lamu, pour ce que je ne connais pas. Donc c'est un dua qui est masnoun, enseigné par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais ce dua-là, inshallah, son effet,
Si on le lit plusieurs fois, inshallah, vous allez voir qu'Allah subhanahu wa ta'ala va enlever, va nous préserver, préserver notre cœur de l'orgueil, de la fierté orgueilleuse. Allahumma inni a'uzubika an ushrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Donc immédiatement, lorsqu'on sent un petit danger, un risque de dérapage vers l'orgueil, immédiatement on lit ce dua et inshallah Allah subhanahu wa ta'ala préservera, on le lit plusieurs fois s'il le faut, Allah préservera notre cœur de tomber dans ce péché. Et éventuellement, demander tawba, demander protection à Allah subhanahu wa ta'ala, faire l'istighfar en abondance. De cette façon, inshallah, on arrive à se prémunir et se préserver de cette maladie. Qu'Allah nous tawfiq de comprendre et de faire amal. De ces quelques paroles, wa ma tawfiq illa billah, wa akhru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.